31e édition, donc c'était une édition un petit peu spéciale. On tentait des nouvelles choses, en plus des choses habituelles. Comme d'habitude, on a beaucoup d'associations qui ont répondu présent et qui sont venues nous soutenir. Voilà. Alors on a eu un petit peu plus de monde que d'habitude, parce qu'effectivement, on commence un petit peu à se roder avec les bénévoles sur ce qui marche moins, etc. Mais on a vu que l'élan des personnes était toujours aussi important sur Vienne, qui est la commune la plus généreuse du département, apparemment, d'après la FM. Voilà.
Et sur les événements, bon, comme d'habitude, on avait le lancement par monsieur le maire vers 17h30. On a eu pas mal de monde qui est venu un petit peu présenter ce qu'ils avaient déjà recueilli. Il y avait donc le bien de modélisme, le club de plongée, l'école d'esthétique, etc. Et puis le soir même, donc, on avait pour la première fois un bal de promo qui était réservé aux lycéens depuis Viennois depuis 16 ans et qui a rencontré un certain succès et dépassé nos attentes pour une première édition. Donc apparemment les jeunes sont partis conquis. Le bouche à oreille va être tel qu'on envisage de remplir pour l'année prochaine. Ça risque d'avoir encore plus de succès.